La petite vidéo Call of Duty pour optimiser mon jeu. Bon, il faut lancer le panneau NVIDIA configuration, il faut mettre ça. Exactement. Désactiver, désactiver, désactiver. Tous auto. Désactiver. Performance. Plus élevé. Performance. C'est pour booster un peu les performances. L'offre. Désactiver, désactiver. Ça, faut le désactiver. Et cache d'ombrage, faut mettre 5. Ça met un peu de cache. Dans le jeu, dans Call of. On fait ajouter, on met Call of. On rajoute l'option activer. Performance. Activer, plus élevé. Pour avoir plus de fréquence. Et là, on met les performances maximum. Et on bride nos FPS par rapport à nos écrans. Si on prend un 240, une date de 140, un 144, ou un 54. Moi j'ai mis un 144 parce que c'est plus logique. Hop. Donc graphique. Ça ne touche pas. Sans active. Ça, moi je le mets à 100 parce qu'en fait j'ai une 2080 Ti, je suis au max à 120 FPS. Mais je suis constant, ça bouge pas. J'ai mis 60 dans les menus, mais 30 quand je suis pas sur le bureau, quoi. Quand je suis sur le bureau. Comme ça je peux pas. Ça c'est pareil. Là j'ai mis personnalisé. Ça, faut le mettre. Franchement, ça. C'est trop. La qualité, là, elle est carrément mieux en fait du jeu. Faut le mettre à 100 ou 50. Faut le mettre à 100. Bon. x2, faible. 85. Basse, élevée, faible. Faible. Faible, faible, 100, 100, très basse, très basse, très basse. Et là, faut activer le boost. Là, faut activer. Hop. Là, on voit bien la qualité du jeu, elle est bien en fait. Puis voilà. Ça a bridé à 60 parce que je suis encore dans le lobby. Vous allez voir, ça va mieux toucher. Voilà, plus.